Donc on dit souvent que le système se pratique entre deux adversaires. Ils sont tous les deux ceintures, de vitesse, c'est protège différents points dans les pieds, de couleurs différentes. Vous voyez dedans. Tournez, on pourra ajouter le chevron par trois parties, avec à cette manière un passage de chaque couleur, qui représente en fait les autres. Donc les combattants, par exemple, peuvent marquer soit un wasabi, qui vaut un point, donc on parle d'une classique, soit un mouton qui vaut deux points. Le combat dure 3 minutes et se décompose en 3 phases, donc on va marquer des points. Le mouton qui est dans les 3 minutes en partie, on marque un maximum de points, on parle de ce qu'on appelle un fou mouton, soit un mouton dans chaque phase. Les combattants s'amusent, les combattants commencent, on rentre à la table. On va passer à la technique de la technique des points. Et les boules ne doivent pas apporter. Les plusieurs de l'usage, si les enfants sont interdits. On dit ça, c'est une facilité pour les croisés. Et le but est de conserver un maximum d'intégrité du combattant. Donc là, c'est la phase de la troisième technique de protection. Comment se joue ? À partir du moment où le combattant a saisi le coup de main, il a peut-être pas frappé. Là, on est à la phase 3. Les bonnes techniques ainsi qui sont au sol. Les combattants peuvent marquer des points, soit en faisant un grand supérieur à l'intérieur pour voir aux jambes, soit comme on a ici, on appelle la masse économique, regardez le combattant bien sûr dans le sol. Alors on commence à faire vite, on est très bien, on peut marquer le bout, on peut marquer le bon. Voilà. On va faire sa partie pour vous qui en a une minute, armé, frappé, ressorti. Voilà la phase 2. On amène au sol, la phase 3.